Bonjour tout le monde. Lundi 30. Allez, je prends tout de suite le signe. Alors aujourd'hui, ça va être un tirage assez spécial puisque je vais vous faire les énergies du jour. Donc mon signe mystère, je vais le mettre là. Je vais vous faire les énergies du jour avec un tableau en 9 cartes. Et ensuite, je prendrai trois cartes par rapport à une personne qui vous intéresse pour ce lundi 30. Donc, je reviendrai après dessus, mais pour l'instant, les énergies du jour. Et j'aurai une surprise pour vous, donc soyez attentifs. J'aurai une surprise pour vous à la fin du tirage et je vous expliquerai comment procéder. Si vous voulez un tirage questions-réponses gratuite. Allez, on y va. On y va tout de suite. Pour le lundi 30. Bon, l'énergie centrale, c'est le livre. Donc ici, on nous parle de conserver des informations, de conserver des informations, de conserver, d'arriver à emmagasiner aussi des connaissances. On va nous parler d'argent. Waouh, un coup de chance en argent. Peut-être que vous allez avoir, j'invente, vous jouez un jeu aujourd'hui, c'est-à-dire demain, puisque vous regardez ce tirage le dimanche. Bon, je sais qu'il y en a qui le regardent le lundi matin, mais vous jouez au jeu, genre, gardez le secret, conservez ça secret, parce que là, il y a une chance de gagner un petit gain, ou de vous faire voler ce petit gain. Genre, vous rejouez après, vous allez reperdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, conservez. Allez, la consultante. La tour. Le bouquet. Le soleil. Et le serpent. Oh ouais, puis en plus, il risquerait d'y avoir aussi des jalousies. Bon, on y va. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle peut-être d'apprendre, d'apprendre dans une école, d'apprendre dans un centre de formation, d'acquérir une richesse au niveau connaissance, peut-être d'avoir aussi l'opportunité de se faire payer une formation. Via votre entreprise ou via un centre de formation, vous la faites payer ou vous êtes rémunéré pour ça. On nous parle d'une opportunité financière. Attention, parce que les souris, elles volent la chance. Donc, attention. Vu que je vois ici de la jalousie, soyez prudent. Soyez prudent. On voit dans ce sens-là que vous changez de peau, que vous atteignez le soleil, la lumière. Au niveau financier, vous vous transformez. Vous sortez un peu là d'un étouffement. Alors, une opportunité d'apprendre des choses qui vont vous rendre heureux. Ok, il y a beaucoup de bonheur ici. Beaucoup, beaucoup de bonheur. Il y a de la joie aujourd'hui. Il y a peut-être un tout petit peu de stress pour une femme qui se sent seule également. Une femme qui se sent seule et qui stresse. Alors, c'est vraiment très intéressant parce que chaque Lenormand a ses spécificités. Donc, ici, on voit qu'elle a un verre de vin à la main. Attention à une femme qui pourrait se sentir seule et qui pourrait boire.
Je sais très bien qu'il y en a parmi vous, malheureusement, que j'ai en consultation privée, qui essaient de s'en sortir, qui essaient d'avancer, mais qui, malheureusement, se sentant seuls ou désœuvrés par rapport à une situation qui est hyper stressante, ont tendance à avoir certaines addictions, et notamment à l'alcool. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose de vicieux dans lequel vous êtes enfermé secrètement. D'accord? Bon, passons avec cette histoire. De la jalousie. Quelqu'un qui va vous révéler quelque chose, mais ce n'est pas pour votre bien. Là, on nous parle de la FFF. La FFF, c'est la Fédération française des fouinasses. Et ici, il y a une personne, une mauvaise langue, hein, qui va venir vous dire des choses, ou à vous, si vous êtes une femme, ou qui va venir vous donner des informations, vous répéter des choses sur une femme, hein, pour vous, messieurs. Donc, essayez de rester neutre, stoïque, hein, de ne pas réagir, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle veut peut-être provoquer chez vous. Un mal-être, un malaise. Elle n'est pas bienveillante. Elle n'est pas du tout bienveillante. Ça me fait penser à une personne que j'ai eue en consultation il y a un petit moment de ça, qui avait eu une très longue relation avec un homme. Et quand ils se sont séparés, cet homme-là, il est allé chez un commerçant que le couple fréquentait avant. Et cet homme-là, avec qui elle n'était plus, il y est allé avec sa nouvelle compagne après la séparation. Il s'est mis avec quelqu'un d'autre. Et ce commerçant, quand la dame qui m'a consulté, elle est allée chez lui, il lui a dit oui, il est venu avec sa nouvelle nana. Elle est comme ça, elle est comme si, elle a vraiment de beaux yeux. Mais pourquoi t'as fait ça en fait? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu me racontes ça? Elle était complètement abasourdie, torturée, détruite. Elle avait eu des informations qu'elle ne connaissait pas, qu'elle aurait préféré ne pas connaître. Donc attention à des choses qu'on pourrait vous révéler, que vous soyez un homme ou une femme, des choses qui pourraient ne pas vous faire forcément du bien, d'accord? Mais dans l'ensemble, ici, on termine la journée avec deux très belles énergies et sept tours. Et là, dans ce sens-là, on va me parler de rayonnement, de réussite, d'arriver à atteindre quelque chose, au niveau de la joie de vivre, et de se sentir plus solide, quoi qu'il arrive. D'accord? Plus solide, quoi qu'il arrive. Il y a peut-être dans votre entourage, hein, soyez attentif, quelqu'un qui a une addiction secrète. Ok? Alors maintenant, vous allez penser à Vous allez penser à une personne que vous devez voir lundi, que ce soit familial, amoureux, professionnel, peu importe. Et on va voir qu'est-ce que cette personne va vous donner pour ce lundi 30, qu'est-ce que vous allez recevoir de cette personne, la lune. Qu'est-ce que vous allez recevoir de cette personne pour ce lundi 30? La tour. Pour certains, vous allez recevoir. Alors, ça peut être par rapport à une administration, une agence. Peut-être une réponse que vous attendez depuis un moment, comme quoi vous allez déménager. Vous allez avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? Elle va vous bercer d'illusions.
Elle va malheureusement, là je ne parle pas de l'histoire de déménagement, mais quand je vois une tour et les cigognes, c'est déménagement et en appartement, c'est pas en maison. Hein. Quelqu'un qui va peut-être vous faire rêver, vous bercer d'illusions, mais vous laisser seul pour s'occuper de sa mère, ou vous laisser seul. En tant que mère, hein, si vous êtes une maman, un père qui vous laisse seul face à votre maternité, à l'éducation des enfants, aujourd'hui vous n'allez pas être très soutenu, même si vous êtes en couple avec le papa, par exemple, voilà, vous allez être débordé parce que on a deux énergies ici de féminité, de maternité, donc on est seul face à devoir s'occuper des enfants. Il y a peut-être un homme ici qui a quelque chose à résoudre avec sa mère. Un homme qui s'est isolé de sa mère depuis un moment et qui va devoir régler quelque chose par rapport à sa mère. Une mère seule qui vous demande de l'aide. Une mère qui est isolée, qui vous demande du soutien. Une personne qui pourrait faire pour vous naître quelque chose de nouveau. Peut-être une renaissance après de la solitude. Donc, je l'ai décortiqué en long, en large et en travers là pour ces trois cartes. Donc, j'espère que quelqu'un aura obtenu une réponse par rapport à ça. Maintenant, comment avoir une question-réponse gratuite avec moi? En privé au téléphone. Non, pas en privé au téléphone. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Mes anciens réflexes qui font surface. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ça ne va pas être sous cette forme. Vous voulez me poser une question? Cette question, j'y répondrai en vidéo. La vidéo, je la posterai sur la chaîne. Comment faire? Sous cette vidéo, dans les commentaires, vous me posez votre question. Alors attention, parce que parfois, je n'ai pas votre pseudo qui s'affiche. Souvent, je l'ai, mais souvent, il y a marqué user. Donc, c'est l'usager de cette chaîne et il y a un numéro à côté. Donc, je ne sais pas qui m'écrit. Donc, vous me posez votre question dans les commentaires. Et à la fin de votre question, vous me mettez nom de code, deux points, et vous choisissez un nom de code. Genre, ben, petit chat, lion, étoile dans la nuit, marguerite, le tigre, ce que vous voulez. OK? Et je vous répondrai lendemain, ok. Donc là, lundi, je vous répondrai mardi, ok. Mardi soir, après les énergies de la journée que je poste vers midi pour le lendemain, mardi soir aux alentours de 17h, 18h, je tirerai quelqu'un au sort et je répondrai à quelqu'un qui aura gagné. Donc allez-y, écrivez votre question, les taureaux, et je me ferai un plaisir de vous répondre en postant la vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas le nom de code pour vous reconnaître quand la vidéo sera postée et pour préserver votre anonymat pour des personnes qui pourraient regarder la vidéo et que vous ne voulez pas qu'elles sachent qui vous êtes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao!